Et bonsoir à toutes et à tous, on se retrouve ce mercredi pour le journal du stream, messieurs, dames. Et oui, aujourd'hui c'est mercredi, aujourd'hui c'est sortie cinéma, effectivement. Et qui dit sortie cinéma dit Thomas, aujourd'hui dans le journal du stream. Salut Thomas, comment ça va? Bah ça va et toi? Bah super, oui, ça va. Je te sers la main ça vu va, que t'as les mains libres du ça coup. Ça va, j'ai les mains libres. Par c'est contre, super. Je suis désolé, t'es juste à côté de moi. Je dois y avoir une petite odeur d'ail, effectivement, après avoir mangé cette gousse d'ail dégueulasse pendant le talk show mobile. C'est infâme. C'est le pire moment de ma vie, vraiment. Ah, c'est ces trucs-là qui puent. Ça a pris l'odeur. En fait, c'est les trucs. En fait, j'ai incorporé l'ensemble du plateau de mon odeur d'ail. Il faut bien non, savoir. Non, mais ta gueule. Ta gueule. En vrai, t'as été très courageux. Ouais, j'avoue que j'ai mangé en entier. On est aussi avec Moze. Oui, c'est moi. C'est moi, encore. Encore lui. Toujours là. Il est là pour nous jouer un mauvais tour. On ne bouge pas. Et on est bien sûr avec l'ami Poncefesse qui est. Bonsoir. Touriste aujourd'hui, mais pas complètement. Pas complètement, j'ai préparé effectivement une minute Twitch qui sera un petit peu plus agréable, ah ouais. Et un peu plus construite que d'habitude. Pour c'est ça. Pas mal ça. De hyper un peu, tu vois, les gens sur les c'est jeux. C'est ça, exactement. Donc la minute Twitch qui sera en deuxième partie de l'émission, avec aussi le florilège de news de Moze. Par contre, en première partie de l'émission, nous aurons la minute Twitter de l'ami Moze et avec les sorties ciné spéciales Blade Runner. On en avait parlé il y a deux semaines, mais on va essayer de détailler encore un peu plus ça parce que Blade Runner est sorti aujourd'hui. Oui, il y a qu'un seul film qui est sorti aujourd'hui. Le reste, c'est de la merde. Oui, le reste. Je préfère vous le dire. Ok. Oui, c'est vrai que j'ai regardé aussi et il n'y a pas grand chose c'est un peu compliqué de se mettre contre Blade Runner aujourd'hui. Oui, quoi. C'est vrai que stratégiquement c'est peut-être pas le plus malin. Non, puis on est dans une période du cinéma où là on va arriver sur les sorties de Noël comme pour le jeu vidéo, oui, en c'est fait ça, ouais. Donc en gros c'est même bizarre qu'ils le sortent maintenant. Je pense qu'ils ont préféré éviter justement les sorties de gros blockbusters qui arrivent à Noël. Star Wars, Thor, je sais pas s'il y en a d'autres, il y a certainement un Disney ou un Pixar. Mais en fait, c'est insane parce que par exemple, même nous pour les jeux vidéo, tu vois, genre là, au mois d'octobre, vraiment, il n'y a pas grand chose. Il y a eu FIFA, Il y a eu FIFA. Mais genre, par exemple, il y a Assassin's Creed et Mario Odyssey qui sortent le même jour. Le même jour, ça va être l'angoisse. Ah, c'est un délire, ça. Ça va être vraiment franchement, je sais pas comment on va faire. Je sens que tu trembles déjà un petit peu. Non, mais moi, ça me fait chier parce qu'on va faire Assassin's Creed, tu vois, mais moi, j'ai envie de faire du Mario Odyssey aussi. Forcément. Moi, je propose qu'on choisisse le seul vrai jeu vidéo quoi. Assassin's Creed. Je le savais pas, pas moi de ta part. On est entre adultes ou pas là? Waouh là, punaise de mec. Pardon. Bon, en tout cas, avant de passer à la sortie cinéma et après, avant que vous vous écharpiez entre vous deux, on va passer à la minute Twitter de l'ami Moze. Exactement, et comme d'habitude, ça va commencer avec un hashtag et là c'est quand j'étais c'est un truc sur le fait je suis un peu de la formulation exacte, mais c'est quand t'es petit, t'aimerais retourner petit pour faire quelque chose. J'en ai sélectionné 5. Donc là, le premier, c'est s'endormir sur le canapé et se réveiller dans son lit. Maintenant, tu t'endors sur le canapé et tout le monde s'en bat les couilles. J'avoue. C'était tellement bien. C'est vrai qu'actuellement, voire même, on te fait des blagues odieuses où en fait, tu n'as jamais dû t'entendre bien là. Où tu te retrouves avec une énorme bite sur la tête. Ouais, bah, c'est ça. Pourquoi j'ai dormi sur le canapé? Ouais, ou tu dors sur le canapé pendant 3 semaines. Mais ça, c'est. Ah, c'est une autre histoire. Même si tu te réveilles pas dans ton lit, t'es dans le canapé, mais on t'a mis un petit plaid par-dessus. T'es bien. Ça, c'était. À l'époque. Puis après l'évolution, l'évolution à l'adolescence, c'est on te met toujours le petit plaid, mais t'as le petit seau, tu vois, à côté, tu vois, pour vomir. Qui devient de plus en plus grand au fur et à mesure. Au cas où. Et le canapé, c'est un confort encore. Et si tu continues à faire des soirées comme ça, bah forcément tout le monde s'en bat les couilles et là on te laisse dans ta merde. C'est ça. Et on te dessine sur la tronche. Ouais, voilà. C'est le stade ultime là. On est. Oh, il y a le cucu dans la tête aussi. Le cucu dans la tête. Avec des photos. Ah oui. Oui, vous avez jamais vu des photos, des espèces de photos bombes ou des mecs. Non, arrête. Il y a que toi. Non. C'est encore toi. On t'a déjà dit de nous concerter. Avant. Ouais, fais valider tes blagues. Avant, my bad. Fais valider tes anecdotes. Arrête. My bad. Arrête-toi là. Bon. Putain, il se passe des trucs bizarres à Berlin. J'ai l'impression. Moi, je fais. Non mais trop. Et toi, pour s'endormir, en fait quoi? Moi, je colle mon cul. Mais non. Je colle mon cul à la tête d'un pote. Cul-tête énorme. On peut plus rien dire. Qu'est-ce qui te manque quand tu étais petit à Poncefesse? C'était l'aspect imaginaire du délire. C'est-à-dire que quand j'étais petit, enfin quand on était petit, on prenait n'importe quoi, on partait trop loin dans notre tête, ça pouvait durer des heures. Ouais, de ouf. Et après, des fois, tu sais, le délire s'estompait et tu disais, putain, mais j'ai fait ça pendant 4 heures quoi. Genre, j'ai joué au Lego pendant 4 heures, enfin une histoire de fou. Alors que maintenant, on a l'imaginaire qui est beaucoup plus réduit par tout le réel qu'on peut voir et qu'on comprend mieux, tu vois. Donc ce serait plus ça dans l'idée, tu vois. En vrai, je pense que passer 18 ans, si t'as le temps de t'accorder 4 heures où tu te fais un truc d'imaginaire, c'est que t'as de la chance, quoi. Parce Et c'est pour ça que c'est dur de garder cet imaginaire. Enfin, c'est important, je trouve. C'est compliqué, ouais, mais c'est vrai que c'est. Bah, c'est ça. Après, c'est toujours le dilemme. Comment c'est le syndrome Peter Pan, on veut jamais grandir aussi. C'est ça, quoi. Ouais, ça vous est arrivé aussi quand vous commenciez à avoir, tu vois, 11, 12, 13 ans,
14 ans, essayer de ressortir genre n'importe quoi, hein, des Lego avec lesquels tu as pu passer des heures, histoire, tu vois, de retenter. Et en fait, il n'y a pas de magie. Ouais, ça vous est pas arrivé, ce truc-là? Non, j'ai pas, je le fais. Moi, je sais non, que non, pense non plus. Ah non, mais arrêtez. Ça non, putain, mais j'ai une vie de merde. Non, vrai, des trucs dans le genre. Par exemple, moi, souvent, ce que je fais, c'est avec les anciens jeux vidéo. Genre, je vais essayer d'y rejouer. Mais des trucs. Rien des à trucs voir, rien à voir. Et t'es en mode. Carrément, ça, je suis d'accord. Ouais. Ça, j'ai eu. T'es en mode. Mais je kiffais sur le coup, je sais pas si je kiffe toujours, quoi. Mais. Tu enfin, forces, t'as plein de trucs comme ça. Non, moi je l'ai fait, mais pas forcément avec des Lego, t'es dans l'autre sens avec les Warhammer. Et après, là, en ce moment, je ressors un peu mes figurines de Warhammer pour jouer avec des potes. Et, Mais oui, la magie est pas la même parce que avant, tu t'imaginais des trucs de ouf, tu commentais, tu lançais des dés, là, si tu lances tes dés, bah ouais, tiens, tu retires 3 unités. Voilà. Tu joues à Total War, quoi. Ouais, mais en plateau, c'est plus sympa, tu vois. Parce que c'est tes figurines, c'est toi qui les as peintes. C'est vrai, il y a ça aussi. Moi, j'étais naze en peinture de figurines, j'en ai eu 3 Moi aussi. T'as fait des trucs dégueulasses? Ah, c'était. Ouais, moi aussi, hein, c'était. Ouais, moi, j'ai le char gobelin, vous vous rappelez ou pas? J'avais fait une horreur. Non, ouais. Non plus, le mec a eu une horreur. On se fesse. Pas du tout. Arrête, comme les autres. J'en ai marre. C'est de la merde, ma vie. Ma vie, c'est de la merde. Bon, bah maintenant, on parle plus avec moi, ok? C'est clair. Et moi, je sais que j'ai toujours voulu grandir, avoir 18 ans, et arriver à 18 plus, je me suis dit, putain, j'ai tellement envie d'y retourner, tu vois. Et maintenant, ta vie est terminée, quoi. Ça va, j'ai encore pas mal de trucs devant moi, quoi. Non, non, les 20-40 sont insane aussi, quoi. Enfin, moi, je trouve ça insane. Tu peux entreprendre des projets, tu vas plus loin, c'est insane. Oui, ouais, clairement. C'est insane. Voilà, okay. Je vais balancer le suivant, j'en ai pas mal, j'en ai sélectionné pas mal, il y avait beaucoup de. Ah, je veux bien voir ce qu'ils disent les gens. Sur faire un château tout douillet et super protégé avec un grand carton et des couvertures. Alors, moi, c'était pas avec des cartons, c'était une couverture. Moi, je suis pas un clochard. Moi, il y avait des moyens, une vraie cabane avec mon papa. Non, mais c'était genre, tu sais, tu prends genre deux canapés ou quoi, entre les deux, tu. C'était pas avec des cartons, je me souviens, mais par contre, la couverture, c'est un classique, quoi. C'est ton toit. C'est ton toit. Faire ta petite protection. Hein. Ouais. Et tu veux faire quoi, petit Kevin, quand tu seras grand? Bah, moi, je veux vivre sous les ponts. Regardez, là, c'est le pont. Il va comment, Kevin, en ce moment? Kevin, c'est. Il a un imaginaire incroyable. Il a 48 ans, il n'a pas changé depuis ses 6 ans. Vous voyez, on me dit c'est l'alcool qui tellement l'aide, hein. Vite, mais Kevin, c'est fou. Grâce à l'alcool, il est resté enfant. Ah ouais, ça, on l'a mis. Putain, très jeune. Je vois des trucs dans le chat, c'est redevenir enfant pour se faire éplucher sa pomme. C'est pas un truc, vous, qui vous a marqué? Non. Putain, mais non. J'ai vraiment une vie bizarre. Arrête, mon frère. On a dit arrête. Non, mais tu vois, aujourd'hui, tu veux manger. Un homme traumatisé, quoi. Mais oh, c'est nul. C'est... Hein, vous faire éplucher la pomme? Non, mais... Bof. Bof. Non. Bah, moi, personnellement, j'avais ce souvenir de mon papa qui m'épluchait la pomme. C'était la pomme du soir. Une petite larme peut-être pour le joueur français, d'accord. Juste à ma droite. Non, ouais, c'était sympa, quoi. Vous étiez pauvre, c'était les années 60, comment non, ça se passe? Le mec a 50 ans, ouais, en fait j'ai 50 ans. C'est l'enfer. T'avais une orange à Noël ou... Ouais, une orange et une brioche. T'avais le droit à une orange et une brioche à Noël, à Noël ou pas? Ouais. C'était insupportable. Arrêtez, je vous déteste. Et comment on fait pour voir la prog? Normalement, elle est en bas sur Twitch. T'es pas seul, Ponce. Il y a du soutien. Non, mais en vrai, ouais. L'assistance quand on était petit, c'était quand même cool, quoi. Ouais, l'insouciance. Mais ouais, c'est ce truc où en fait tu as faim, tu manges en fait, hein. Y a pas de. Moi je pense que le Père Noël c'était un truc genre. Je me souviens quand je voyais les cadeaux, je me dis ouais, mais c'est un truc de ouf, quoi. Genre tu vas te coucher, tu vas. Moi j'ai pas souvenir d'y avoir cru, tu vois. Oh my god. Ah ouais. Ah, si, moi, en fait le problème c'est grand frère, grand cousin. Tout le temps avec eux, et donc je pense qu'ils m'ont toujours dit qu'il n'existait pas, quoi. Et je me souviens juste de ma découverte. Quand j'ai appris que la petite souris par contre n'existait pas, parce que ça j'y ai cru. Alors le truc logique, j'ai pas cru. Absolument improbable. Non, mais un mec ne peut pas passer dans une cheminée, par contre une souris peut se déposer un petit billet. Un petit billet. What the fuck? Putain, j'ai 5 euros pour toi, je suis une souris, ok c'est chelou, mais voilà, je le mets ici parce que j'aime bien les dents. J'aime bien l'argent aussi. Mais tu fais quoi avec les dents? C'est un peu bizarre. Ouais, c'est un petit bizarre. Mais je pense que le but c'est juste atténuer le fait de. Tu sais, ça fait mal, t'es pas content, tu dis oui, mais au moins. Je me souviens avoir appelé mon cousin en mode comme si c'était le scoop de l'année, j'ai pris le téléphone et tout. Et... oui, tu sais pas quoi, la petite souris elle n'existe pas. Bon, il avait 50 plus que moi. Donc, mec, je le sais depuis le début. Mec, t'es archi con. Et alors, mini débat, moi je suis plus âgé que vous, pas de beaucoup, mais 31 ans, c'est un débat qu'on a beaucoup avec des amis qui ont des enfants. Est-ce que tu vas faire croire à tes enfants au Père Noël? Oui, là, oui. C'est des potes qui se posent la question, ce qu'ils disent. C'est horrible parce qu'il y en a certains qui l'ont mal vécu. Moi, par exemple, je l'ai mal vécu quand je l'ai appris. Genre, j'en voulais à mes parents. C'était terrible, mec. Mais c'est parce que tu voulais pas. J'ai fait un scandale à Noël quand je me suis rendu compte que c'était mon grand-père. Je sais pas, je devais avoir 8 ans, mais c'était horrible. Quoi. Vraiment? Mais je m'en souviens, et en plus, c'est filmé. En plus, donc, tu vois, je chiale comme c'est pas permis en mode genre. Mais en fait, ça détruit un truc. Trahi, quoi, tu vois.
T'as la vidéo, comme à la vidéo. On l'entend, Tom, ou pas d'ailleurs. Ouais. Non, on l'entend. Ah, ok. Ah, ces vidéos-là, je les ai numérisées l'été dernier, mais vous les verrez jamais. Hein. C'est... Ah, si on veut. Ah, ouais. C'est pas possible. Mais moi, je me souviens que j'étais en mode, bah, je crois pas trop au Père Noël, et genre, mon cousin, il avait mis ça, une caméra pour filmer ses darons, et du coup, le lendemain matin, il avait fait, t'as vu que tu me mytho. Ça, c'est les gamins, ça, c'est les 2000, ça. Vous avez aucune pitié. Ouais, 2000, c'est plus 1990, mais... Non, mais t'imagines les gamins qui ont 8 ans, genre trop smart. Mais... T'as vu, une espèce de sale mytho. T'as vu, je te l'avais dit, je te l'avais dit, c'est archi smart. Tu vas me dire que c'est pas toi, là, maman. Parce que moi du coup, je voulais... Le gosse est trop psychopathe. Moi, j'étais archi débile parce que je voulais faire un truc comme ça, mais sauf que j'ai pas pensé à ça. Et du coup, ouais. Moi, je voulais m'endormir dans le salon, tu vois, pour dire je vais le croiser dans la nuit. Sauf que, bah, au bout d'un moment, t'es un gamin, tu t'endors, ouais. Ta mère, elle t'amène dans la chambre, c'est pareil, quoi. Ouais. Genre, ça marche pas, tu vois. Mais moi, j'en ferais croire parce que ça va être dans la féerie du truc. Et je pense que, du coup, même après, en y croyant, en sachant qu'il n'existe pas, tu restes un peu dans le délire, tu vois. C'est vrai. On a un commentaire assez sale dans le chat. Redevenir enfant pour pouvoir avoir le sein de ma maman en bouche. Non. J'ai vu Solo qui a mis revenir. Non. J'ai vu dans le chat aussi Pixolo qui a mis revenir en enfance pour retrouver le prêtre. Oh non. Ah, moi je l'ai jamais trouvé, donc ça va perso. C'est ok. Sale. Maman. Le prêtre. Oui, Aurélien. Non, on va arrêter d'aller voir le prêtre, Aurélien. Alors, oui. Est-ce que vous ferez croire au Père Noël à vos enfants? Oui. Moi, je pense que oui. Oui aussi, c'est important. Et oui, je pense. D'accord. Enfin, c'est important. En fait, non, mais c'est toujours là. Comment il le découvre, tu vois? Si t'arrives un petit peu. En fait, c'est ça, c'est que tu risques pas de le traumatiser, mais ça peut le faire chier ou quoi quand tu veux dire. Mais si tu lui dis pas, à l'école, ça va être un connard. Oui. Parce qu'il va le dire à tous les autres, 100%. Tu vas te faire convoquer par les profs parce que. Tu te fais strike en fait. Voilà. Excuse-moi, il y a Aurélien qui a dit à toute la classe que le Père Noël n'existait pas. Écoutez, on a une dépression nerveuse. On a dû changer tout le manuel. Tout le manuel, on a dû changer. Mais c'est super complexe, quoi. J'espère qu'on n'a pas des enfants qui nous regardent. Parce que le Père Noël existe. Parce qu'en fait, évidemment, c'était un prank. Ah, le Père Noël est là. Énorme. Get on va passer au tweet suivant. Énorme. Balance. Next. N'oubliez pas de l'appeler au 01 46 01 01. Non, c'est 36 30. Oh, il y en a qui connaît. Hein. Sauf que le tu vas appeler là. Non, mais je me souviens qu'en plus, il est trop fort. Tu veux qu'on appelle en direct. On avait voulu faire un troll et le faire en été pour appeler. Genre, je devais avoir 12 ans. Et sauf qu'en fait, l'été, c'est plus le Père Noël. Dommage. C'est Clara Morgan. Ah merde. Ah ouais. Donc, ouais, ah, c'était ça, du coup. Oui, c'était ça. Père c'était Noël. En mode... Oui. Oui. Et des cadeaux. Oui. Des gros cadeaux. Trop malaisant. J'ai un gros paquet. Ouais. Bon, attends, qu'est-ce que tu nous avais mis là? Next. Écoutez bien mon numéro. My God. Ah oui. 65. Ah, c'était aussi long. 71 l'appel. The fuck. Hein? 3 francs 71 l'appel. Ça fait combien? Par minute. C'est pas très cher. Hein. 1 euro, c'était quoi? 1 euro, c'est 6 francs. C'est 45 centimes. 50 centimes. Ouais, comme aujourd'hui, quoi. Ouais, c'est ça. Ça va. C'est honnête. C'est ok. C'est ok. Alors vas-y, next. Vas-y, tweet. Next avec le Pikachu. Voir faire semblant d'être malade. Quoi? Bah oui, t'as pas de boulot. Pour pas. Non, mais justement, c'est dans le sens redevenir être enfant pour avoir cette excuse, quoi. C'est. Oh, t'inquiète en tant qu'adulte. Ouais, mais c'est vrai qu'elle. Parce que moi, je l'ai déjà fait en fait. Genre, je sais que je voulais regarder Pokémon et que ça passait le matin. Je savais pas à quelle heure. Du coup, je faisais semblant d'être malade pour. Sauf qu'en fait. Ils t'ont jamais cramé. Non, mais je regardais pas le programme à l'avance. Sauf qu'en fait, c'était téléachat, je m'en souviens. Et je me disais, non, mais c'est après téléachat. Du coup, je regardais tout téléachat et téléachat, ça durait bien une heure et demie. Ah ouais. Et à la fin, tu devais passer des bonnes matchs. Le journal de. Quoi? J'ai séché pour rien, là, tu veux me dire. Et du coup, voilà, ça m'a fait penser à mon histoire. Bah super, hein, bravo. Super. Vas-y, next. Pas un exemple pour la jeunesse. Hein. Mais c'est clair, bravo. Si séché pour regarder la jeunesse Pokémon, de France. Vous avez le droit. Sinon, c'est la culture. C'est la culture. T'as la technique magnétoscope, tu vois. On t'enregistre l'épisode, tu le regardes quand tu rentres de l'école. Tu vois. Oui, c'est vrai. Alors, gardez mes jambes. Ouais, derrière. Mais oui, mais putain, quelle bêtise. On a tous fait ces conneries. Eh oui. Et moi, ma mère qui a vendu toutes mes cartes Pokémon. Ah, Benzaï. Je crois que j'avais 700 cartes Pokémon. Et elle a fait sur eBay, bah, je vends le lot, 15 balles. Quoi que, mec. Ouais, mais en gros, c'était vraiment l'époque où il n'y avait plus la mode des cartes. Parce qu'il y a eu vraiment une mode où. Ah ouais, il y a eu un moment, il n'y avait que les experts qui étaient en mode. Enfin, les vrais collectionneurs. Genre David Lafarge et, Pokémon. David Lafarge Pokémon, exactement. Voilà. En plus, j'ai un tweet sur David Lafarge Pokémon après. Génial. Et, toujours, la cible facile. Hein. Oui, très facile. Et donc, pour 15 balles, j'ai perdu ça alors qu'il y avait des cartes qui valent maintenant 150 euros, etc. Excellent. Ouais, mais au-delà de l'argent. Excuse-moi, non, t'inquiète, pas de problème. En fait au-delà de l'argent, c'est juste, moi, il y a des trucs, tu vois, par exemple. Sentimental. Moi, ma Nintendo 64, j'avais masse jeu. Je sais pas pourquoi, quand j'avais 15 ans, j'avais envie d'acheter un paquet de clopes, j'en sais rien, mais j'ai tout vendu pour une misère, tu vois. Gros con.
Je sais pas, c'est pour Impact Club, mais donne-moi ce micro. À 15 ans, c'est probablement pour une connerie, tu vois, peut-être 14 ans et ouais. Tout. Tout ça pour choper le cancer, bah, c'est bravo. C'est ça. Non, mais je dis pas que Club, c'est un exemple, tu vois, mais à 15 ans, c'est pour acheter de la merde, enfin, tu t'achètes pas des trucs de. Enfin, bref, voilà. T'as un trop fort, quoi. Oh la haine, mec, la N64, mais genre, j'ai vraiment tout perdu, quoi. Et toi, t'as tout gardé, ça que tu disais ? Moi, j'ai tout gardé. C'est insane. Bah, bien joué. Ouais. En vrai, j'ai encore quasiment tout. Mais après, j'ai pas eu beaucoup de jeux console. Tu vois, moi, j'ai commencé à la PS1, tu vois, j'ai gardé mes jeux PS1. Ouais, les seuls jeux que j'ai vendus, c'est des jeux Xbox 360. C'est déjà pas mal, hein, certains jeux PS1. Ouais, mais jeux PS1, je les ai encore aussi, ouais. Si j'ai gardé. Après, même au-delà de la valeur, c'est ouais, l'affect même de décorer, tu vois, genre. De ouf. Voilà, tu vois, moi, quand j'ai déménagé de ma coloc à mon appart, et la question se posait de ce que j'allais garder, de ce que j'allais pas garder. Et bon, j'ai tout gardé, enfin, de ce que j'ai pas vendu, parce qu'au bout d'un moment, j'ai arrêté de vendre en me disant, Thomas, t'es con, arrête de vendre. Mais en plus, tu vends ça à une misère au moment où tu le vends. T'es pile dans le moment où bah, c'est pas assez neuf pour être bien, et c'est pas assez vieux pour être bien aussi. Tu vois, donc... C'est genre, j'étais ado, il me manquait peut-être, je sais pas, 5-10 balles. T'as pour, fait ouais, bah, voilà, bah ça, tu vois, ça, j'ai pas le droit de l'afficher chez moi, tu vois. Ma copine, bon, du coup, avec qui j'habite, elle en veut pas, tu vois. Ça, c'est on me l'a offert à mes 18 ans. My God, c'est trop stylé. C'est Illidan, version Warcraft 3. Parce que WoW n'existait pas encore quand j'avais 18 ans. Waouh. C'était en 2004. Okay. Je sais pas si on le voit bien. Donc, d'accord, c'est une version Warcraft 3. Ouais. Elle est absolument insane. Hein. Moi, je te dis, Illidan, comme ça. C'est grand quand même. Enfin, il lui manque. C'est solide, hein. Ouais. C'est les Warglaive, je crois que ça s'appelle. Ouais, c'est les Warglaive. C'est un cadeau, c'est pas le jeu. Mais par contre, j'ai la boîte. J'ai toujours la boîte de Warcraft 3. Non, ça c'est les Warglaive, non? Warglaive, Tiens, on va le poser là. Je touche la petite. C'est peut-être Warglaive l'amnésie. Non, mais c'est peut-être pas celle-là, les Warglaive, je sais pas. Non. Mais elle est monstrueuse, hein. C'est un beau paquet. Bien sûr, il n'y a pas de problème. J'ai le premier Tomb Raider en boîte PC. Wow, sérieux? Ouais, j'en ai trois sur une brocante. J'en ai trois, il m'en reste trois de toute façon, des grosses boîtes. J'ai The Nomad Soul, Tomb Raider et Duck Nukem 3D Atomic Edition. Moi, la dernière fois, j'en ai acheté une Rayman sur les premiers. Yes. Genre, des fois, j'aime bien, je vois qu'il y a une brocante, et j'aime bien y aller pour retrouver des trucs, etc. Et comme moi, j'ai mon cousin justement qui veut racheter ces trucs qui lui ont été revendus, Pokémon, et donc lui, il cherche les cartouches, les boîtes, tout. Je me tâte à faire ça, mais ça va coûter tellement cher. Des fois, je vois un truc 50 centimes, vaut 30 balles sur eBay. Ouais, il y a des brocantes, les gens savent pas. Ah oui, les brocantes, les gens sont vendus à nous, on a pu le faire sur les marchés et tout. Par contre, tu te rends compte en faisant quelques-unes qu'il faut que tu sois à 7h parce que à 6h30, t'as les mecs qui vont carrément sur les parkings. Bien sûr. Vous avez quoi? Les chasseurs. C'est des revendeurs. C'est des revendeurs. Ah oui, c'est des pros. C'est comme les antiquaires, quoi. Enfin, c'est le même système que les antiquaires, sauf que c'est pour les jeux vidéo. Mais il y en a plein. Et ça part très vite, c'est de revendre encore plus cher. C'est un peu dégueulasse. On va passer un dernier tweet, Moz. Après, on passera à la chronique ciné de Thomas parce que l'heure file quand même assez vite. Ouais. Balance. Retourner en enfance pour mettre des couches. Je vois cache-cache avec mes amis plutôt qu'avec le fisc. Ah oui, énorme. Elle est énorme. Oh, il est lourd. Ça, c'est du top tweet pour le coup. Et le truc, elle est exceptionnelle. Le truc qui m'a fait rire, c'est qu'en plus, je l'avais pas remarqué, mais ensuite, je l'ai vu dans ma TL, c'est que c'est Hypierre qui l'a retweeté. Hypierre a eu des gros problèmes avec le fisc et j'ai trouvé ça marrant. Insane, il s'est gavé de ouf. Oh là là, très très bon. Excellent. C'est hashtag, je crois qu'il a fait nos mini Twitter. Il était chaud. Merci beaucoup pour la mini Twitter, c'était super intéressant. C'est tout. C'était top. Bah non, t'as fait que ça. Ah non, j'en ai d'autres. Mais en fait, le truc, c'est que leur fil, il n'y a déjà plus que 20 minutes pour la chronique. Et vu que ma chronique dure une heure. Mais il faut. Une heure, tu vas te calmer. Moi, je la ferai en 5 parties comme dans la. C'est vrai qu'il nous faudrait limite 5 créneaux de 2 heures. Et on fera après 3 sous-parties. Pour la mini Twitter, 2 heures, c'est pas mal. Non, mais en vrai, c'est ouf, on pourrait parler comme ça. Mais on est obligé de faire avancer. Alors, je vais essayer d'aller vite. On va pas forcément parler tout. Alors, aujourd'hui, mesdames et messieurs, sort la suite du plus grand film de science-fiction de tous les temps, Blade Runner 2049. Ok, le mec pose le direct. Au-dessus de Star Wars. Donc, tu poses ça au-dessus de Valérian, quoi. Ok. Mais non, mec, un petit peu. En vrai, Valérian, j'avais envie de l'aimer, tu vois. J'avais envie de l'aimer. Et quand je me suis endormi au bout d'un quart d'heure de film, j'ai fait « Ok, c'est mort ». L'envie a disparu. Voilà. Bon, il nous met la petite bande-annonce de Blade Runner 2049. Donc voilà, donc avec Ryan Gosling, Harrison Ford, Jared Leto, j'ai oublié le nom des autres acteurs. Ryan Gosling, il n'était pas dans Atari, premier, très bon ça. Oui, Atari, c'est une référence. Oui, non, c'est une référence au premier film, notamment. Et du coup, dans les extraits là, que je vous ai préparés, un site américain qui s'appelle Collider, qui a fait un petit mash-up des deux bandes-annonces, l'original et la nouvelle, pour voir un petit peu les points de comparaison. Alors, il y a des points de comparaison qui ne sont pas abusés, il y en a qui sont complètement copiés-collés. Bah, là, voilà, Atari, on le voit dans les deux films, par exemple. Voilà, il y a beaucoup de similitudes dans le design et dans les plans. Dans l'idée. Bon, là, par exemple, tu vois, c'était un peu abusé. Du coup, est-ce qu'on voit Ryan Gosling dans les deux?
débat. C'est très drôle ça. Oui, très très drôle, je suis content. Il est très con. Hein. Bon, voilà, par exemple, là, on a vu Jared Leto avec un peu son alter ego du premier film qui s'appelait. C'était la Tyrell Corporation qui produisait les réplicants. Mais voilà, bon, là, c'est juste pour voir. Donc, je vais vous expliquer un petit peu Blade Runner, c'est quoi pour ceux qui ne connaissent pas. Allez, le premier, ça se passe en 2019 à Los Angeles. Après une guerre nucléaire qui a ravagé la planète, la quasi-totalité des espèces vivantes sont éteintes. Donc humaines comme animales. D'accord. La majorité des humains ont exilé dans l'espace, notamment sur Mars, et on cherche à coloniser d'autres planètes. Et c'est pour ce faire qu'on a créé les réplicants, qui ne sont pas des robots, ce ne sont pas des androïdes, ce sont des humains de synthèse. Il faut bien faire la différence, parce que les gens pensent toujours, quand on regarde Blade Runner, « Ah, c'est des robots et tout ». Non, c'est des humains de synthèse. C'est là que la chose devient compliquée, parce que quand il y en a qui font de la merde et qu'il faut les traquer, c'est comme un meurtre, en fait. Donc, du coup, on appelle ça les retirer, le retrait, et on engage des Blade Runner qui sont des chasseurs de primes pour la police. C'est un peu comme Westworld, si tu avais vu la série Westworld. Ouais. Ouais, ben, c'est un peu comme les c'est des robots dans Westworld. Ah, c'est des robots ? C'est des robots avec une IA, ouais. D'accord. Okay, ouais, sous la peau, c'est fou comme ils reprennent, là, par rapport au match-up que tu faisais, c'est ouf comme ils reprennent l'esthétique, quoi. Les plans sur, et tout, ouais. Sur plein de plans, ils reprennent l'esthétique, vraiment, c'est... Bah, en gros, ce que le réalisateur du nouveau film explique, c'est qu'il a beau s'être passé 30 ans dans l'univers du film, comme à la base, c'est un désert apocalyptique, la planète, et qu'en plus, dans les histoires maintenant qu'on connaît qui sont passées entre les deux films, parce qu'il y a eu 3 courts-métrages dont on va parler après, il y a eu un blackout électrique en 2022. Donc là, le prochain film se passe en 2049, le premier en 2019. Donc 3 ans après l'histoire du premier film, il y a un blackout qui fait que pendant des années, ils n'ont pas eu d'électricité. Donc en fait, d'accord. T'es en 2049, mais il n'y a pas grand-chose qui a changé. C'est ouf qu'ils aient fait comme ça, hein, réussi à créer un univers même en dehors juste du film, tu vois, c'est-à-dire... C'est-à-dire, le monde ne vit pas que dans le film. T'as l'impression qu'il vit en dehors de l'œuvre visuelle. Quoi. Ça se fait depuis très longtemps. C'est les Japonais qui ont été les premiers à faire ce genre de choses avec une série. Je ne sais plus comment ça s'appelait. C'était Hack X quelque chose, où tu avais un jeu, un manga, un anime. Et les 3 histoires se répondaient entre elles. C'était assez cool. Donc, en gros, Blade Runner, à la base, c'est quoi ? C'est un livre sorti en 1966 et écrit par Philip K. Dick qui s'appelle, en réalité, « Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques ?» What the fuck? Voilà. Ça parle un petit peu moins que Blade Runner. De reptiles électriques. Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques. Donc là, il a été réédité sous le nom Blade Runner, que voilà, vous pouvez le trouver, il n'est pas Blade très Runner, cher. Les androïdes rêvent-ils à 6 balles. Il coûte 6 balles. C'est pas un roman, c'est une nouvelle, donc il est très court. Ah ouais. Ça fait genre 100 pages, 100, 120 pages à peine. Ouais. Ça se lit assez vite. Ouais. Je l'ai lu après avoir vu le film, par contre. Okay. Et quand je l'ai lu, je suis devenu fan de Philip K. Dick. Et du coup, j'ai lu toutes ses nouvelles et tous ses bouquins. Philip K. Dick, ça sonne français un peu, non ? Pas du tout. Ok, très bien. Non, c'est américain. C'est tenté. C'est un auteur américain. Il est notamment les auteurs de livres qui ont été adaptés au cinéma comme Minority Report ou Total Recall. Okay. Et une toute nouvelle série qui vient de commencer qui s'appelle Philip K. Dick Electric Dreams. Qui est produite par le créateur de la série Battlestar Galactica, Ronald D. Moore. Galactica, que je vous conseille énormément parce que ça rejoint encore le sujet aussi des robots avec une IA qui ont une conscience de Blade Runner. Et Bryan Cranston, alias Monsieur Breaking Bad, quoi. Comment il s'appelle Heisenberg. Heisenberg. Okay, voilà. Ils produisent tous les deux. Et du coup, c'est une série qu'on appelle d'anthologie, c'est-à-dire que c'est comme Black Mirror. Chaque épisode est une histoire différente. Et donc, c'est adapté des nouvelles de Philip K. Dick. Le pilote n'est pas ouf, franchement. J'ai regardé il est dispo en stream. C'est dispo. Là, il y a déjà 3 épisodes. Là. Ah, okay. Le troisième a été diffusé hier ou avant-hier. Le premier n'est pas ouf. Mais en même temps, la nouvelle qu'ils avaient choisie est pas ouf non plus. Et c'est Electric Dreams, c'est Electric Dreams, voilà. Okay. Le deuxième est cool, beaucoup plus science-fiction. Le troisième, je l'ai pas encore vu. Voilà. Okay. Donc, on part sur la base de ce bouquin. L'histoire du bouquin est la même. Il y a un seul truc qui change, c'est que Rick Deckard, donc le personnage principal interprété par Harrison Ford dans le film, c'est un vrai chasseur de primes, c'est-à-dire que lui, c'est pas son métier vraiment de tuer des réplicants. Il le fait parce qu'il a besoin de thunes. Pourquoi ? Parce qu'il veut remplacer son mouton mécanique qu'il a sur son toit par un vrai mouton. Parce que quand tu as un vrai animal, bah c'est un symbole de richesse ultime. Ah, okay. Dans le monde. Parce que justement, ils ont tous disparu et que c'est que des êtres synthétiques. Quoi. Okay. Et il y a ce doute qui est maintenu dans le livre et dans le film. Est-ce que Rick Deckard ne serait pas lui-même un réplicant ? Ça, c'est la question que tu te poses. En fait, c'est la question que pose le film. C'est qu'est-ce qu'être humain ? Quand tu es capable de créer des humains de synthèse, qu'est-ce qui les différencie de nous réellement ? Ils ont une durée de vie. Oui, c'est ça. Ils ont une durée de vie limitée dans le film. Ils vieillissent. Ils vieillissent pas. En fait, ils durent 4 ans. D'accord. En fait, ils naissent adultes et au bout de 4 ans, hop, shut down. Okay. Et ils sont envoyés en fait en tant qu'esclaves
dans les colonies, donc dans l'espace, pour faire des travaux, pour pouvoir préparer le terrain pour les humains, pour qu'ils viennent. Quoi. D'accord, donc il y a quand même l'idée de hiérarchie entre les réplicants et les humains. D'accord. Voilà. Et donc l'histoire du film, ça commence comment ? Il y a des Nexus 6 qui sont échappés de Mars après avoir commis un attentat, ils ont fait péter un vaisseau, et ils ont atterri sur Terre, et voilà, ils sont en fuite, et donc le personnage d'Harrison Ford va devoir les traquer. Okay. Sauf qu'en fait, il va faire des rencontres assez spéciales dans le film qui vont lui faire se poser des questions sur la bienséance de sa traque. Est-ce que il est vraiment du bon côté ? Est-ce que c'est pas plutôt les réplicants qui ont raison ? Et est-ce que c'en est pas un lui-même ? Il va même rencontrer le mec, donc Tyrell, qui crée les réplicants, qui va lui faire rencontrer une femme, où tout le film, il va se poser la question. Ouais, c'est ça. Il va lui faire passer un test pour savoir si c'est une réplicante. En fait, ils ont un test pour savoir. Ouais. Où normalement, il faut 20-30 questions. Pour elle, il faut 100 questions. Et même au bout des 100 questions, quand il a sa réponse, il est en mode « Attends. » Est-ce qu'on est vraiment sûr? Et dans tout le film, il lui pose des questions. Il y a un de ses collègues qui lui dit: mais est-ce que toi-même, t'as déjà passé le test? Ouais. Et il est là en mode. Voilà. Et donc, en gros, cette question de est-ce que c'est un réplicant ou non, ça a divisé les gens depuis donc 30 ans. Et ça a surtout embrouillé le réalisateur et Harrison Ford. Oh mon Dieu. Parce que le réalisateur. Est-ce que si je le dis, est-ce que c'est un spoil ou pas? Il y en a un qui pense que c'est un réplicant, l'autre qui pense que c'est pas un réplicant. Et du coup, ils sont brouillés. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de suite. Tout de suite, et aussi le film a été un flop au box-office. Il a coûté 28 millions de dollars, il en a rapporté 33 à sa sortie, ce qui est minable, du coup, parce qu'il y a un film qui rapporte 5 millions de dollars, c'est que dalle. Et le film a très vite été déprogrammé, et en fait, il est devenu culte quand il est sorti en VHS. En fait, c'est un film qui est sorti trop tôt. Les gens n'étaient pas prêts. Les gens n'étaient pas prêts parce que. Après, c'est un film culte. Hein. Moi, Après Star Wars. C'est sorti en 82. Mais tu expliquais la dernière fois, c'est-à-dire qu'on n'était pas dans le même délire que Star Wars. Exactement. On n'était pas prêts. En fait, c'était le premier. Non, c'était le deuxième film de science-fiction un peu dark. C'est comme on dit, il y a l'heroic fantasy, la dark fantasy. Bah, là, c'est pareil. C'était la dark science-fiction. C'était le deuxième film de Ridley Scott après Alien. Donc Alien avait déjà un peu embrayé le pas. Oui, voilà. Il a vu quand même un gros succès, mais c'était plus un film d'horreur dans l'espace qu'un film de science-fiction. Ouais. Là, on est vraiment dans la science-fiction. Et franchement, Blade Runner, je sais qu'il a vieilli. Là, vous avez il est magnifique à regarder. Enfin, là, je regardais là tout à l'heure, il y a une édition qui vient de ressortir justement aujourd'hui en même temps que le film, en Blu-ray 4K, machin. Ils l'ont bien fait, quoi. Vous avez 5 versions du film parce que c'est un film malade. La version qui est sortie en 82, c'était une work print, donc c'est-à-dire une version même pas finie de monter. Parce que les producteurs croyaient pas au film, du coup ils l'ont lâché comme ça. Ouais, carrément. Voilà. Après ils se sont dit bon, vas-y, on a fait de la merde, donc ils ont ressorti une version US où ils ont rajouté une voix off, ils ont édulcoré la violence. Cette version est ignoble. Il y a un happy end à la fin. En fait, ils ont un happy end, mais comme à la base ils n'avaient pas tourné de happy end, ils ont été chopés des plans du film Shining de Stanley Kubrick. Des petits plans à l'hélicoptère au-dessus d'une montagne pour faire genre ça se termine bien, on est dans la montagne, c'est bucolique, trop de la merde, les producteurs à l'époque ils flippaient, et voilà, ça reste leur film, tu vois. Non, mais en vrai c'est toujours facile à regarder. Moi, mon daron, il m'a montré des films, c'est des films cultes, genre lui j'ai dû le voir il y a 6 ans. Je me suis pas dit putain c'est vieux, c'est toujours agréable c'est un à regarder. Film, bah, en 82 c'était ultra moderne quoi, comme film. Il y a une troisième version. Hier, un film de 89, j'ai regardé hier le film de la Révolution française de 1789 qui commémore du coup les 300 ans de la Révolution. C'est chaud. Celui-là par contre mon gars, il a pris un bon coup dans la gueule. Hein. Tu vois François Cluzet avec sa coupe, avec ses cheveux longs. Tu vois c'est un peu dans le même délire que genre tu peux toujours regarder Karate Kid qui est de 82 je crois. Karate Kid c'est marrant mais il faut l'avoir petit. Oui mais ça a pas trop vieilli. Tu vois, tu le découvres maintenant c'est chaud. Je sais pas ce que ça fait de découvrir Blade Runner aujourd'hui, tu vois, parce que il y a beaucoup de grains dans le film, il est un peu crade, le film est lent, il y a pas beaucoup de dialogue, c'est lent. Je trouve que c'est un peu comme de redécouvrir Mad Max. Merci beaucoup. Merci mec. Ah, trop bien. Capitaine Sleep au cinéma, c'est pas le film. Ouais, non. Donc voilà, il y a une version européenne qui est sortie la même année qui ce coup-ci réinclut les plans violents. Ouais. Une Director's Cut de 1992 qui n'est non validée par Ridley Scott, c'est-à-dire c'est les producteurs qui l'ont remonté suite au succès en VHS du film. Okay. Ils l'ont remonté, la sortie au cinéma. Et finalement, la vraie version que vous devez regarder si vous ne l'avez jamais vue ou si vous voulez le revoir avant d'aller voir le deuxième film, c'est la Final Cut de 2007. Là, complètement révisé par Ridley Scott et le monteur de l'époque et leur scénariste. Ils ont repris tous les rushs du film qu'ils ont pu trouver, ils l'ont remonté, ils ont rajouté un dialogue qui change le sens du film, mais genre vraiment. Ah ouais, mais comment ils ont fait pour le rajouter ? Bah, ils l'avaient tourné, mais c'est juste qu'on leur avait demandé de le couper en fait. Okay. Parce qu'en fait, c'est un dialogue, la punchline finale te nique le cerveau et tout,
toute l'interprétation du film que tu avais, elle est remise en question. En fait, il y avait une séquence, il y a deux séquences comme ça. Il y a plein de trucs qu'ils ont rajoutés, mais il y a surtout une séquence de rêve, ouais, où en fait le personnage principal rêve. Et il y a un moment, un autre personnage qui va faire à travers un dialogue, va faire référence à cette séquence alors qu'il n'est pas censé savoir. Et tu dis, attends, là, et après il te lâche une phrase, ouais, je ne vais pas vous spoiler, mais là tu dis, attends, donc comment il sait que le mec rêve de licorne et pourquoi il lui dit ça? Attends, donc ça veut dire quoi? C'est parce que c'est un réplicant, c'est ça, c'est ça? C'est un robot, donc vous mentez, qu'est-ce que c'est, monsieur l'agent? Et ce personnage est interprété par Edward James Olmos, qui est le commandant Adama dans Battlestar Galactica, donc grand acteur. Voilà, les rumeurs disent qu'il fait un caméo dans le nouveau film, je ne sais pas. J'espère, j'aimerais bien. Putain, je suis obligé d'attendre dimanche. Pourquoi tu es obligé d'attendre dimanche? Parce que j'y vais avec mon meilleur ami, un ami d'enfance. On est fan de Blade Runner et. J'ai envie d'y aller maintenant, là, tu vois. N'allume pas Twitter. Mais non, mais ça va, j'ai mes filtres. J'ai des bons filtres. Tu sais, ça fait un an que je travaille chez Eclipsia, j'ai appris à me servir des filtres. Là, tu vois, quand t'arrives chez Eclipsia, tu vois, tu peux, trop bien Game of Thrones, je regarderai ce soir. Erreur. Énorme erreur. La pire bêtise. Erreur. Et du coup, Blade Runner, du coup, il n'y a qu'un seul film de programmé. Ouais. Et pour l'instant, ils n'ont pas du tout parlé de suite ou quoi que ce soit encore. Il n'y a rien dans les cartons, un spin-off, quelque chose, un dérivé. Alors Ridley Scott a dit qu'il étendrait bien l'univers. Il a même glissé des petits indices à la sortie d'Alien Covenant en disant que pour lui, ça se passait dans le même univers, Blade Runner et Alien. What? Ok. Ouais, pour lui, ça se passe dans le même univers. Bah, en gros, Alien, c'est juste que ça se passe en 2100 et tout. Donc ça se passe encore plus loin dans les colonies, machin. Il y a des mecs sérieux qui ont refait des connexions et qui montrent que ça ne marche pas. Mais voilà, lui, pour Ridley Scott, dans ma tête, ça marche. Okay. C'est la même. Pour Ridley Scott, c'est le même univers. Quoi. Okay. Bon, Ridley Scott, il a 78 ans, tu vois, il commence à plus trop savoir ce qu'il dit, quoi. Tu vois. Ça commence à bégayer un petit peu. Voilà, quand tu vois Prometheus, Alien Covenant, tu te dis, mec, arrête. T'as pas aimé Prometheus? Mec. Prometheus, mec. Prometheus, le film où t'as un géologue qui se paume dans une caverne. C'est ça? Le mec est spécialiste des cavernes, il se perd dans une caverne, c'est ça? Et c'est-à-dire qu'il est connecté au vaisseau H24, il envoie les plans et ils n'arrivent pas à le trouver. C'est ce film-là. Le film où il y a le truc qui roule et la meuf court tout droit. Oui, alors ça, c'est débile. C'est-à-dire que moi, j'ai quand même regardé Prometheus sans savoir du tout que c'était Alien. Un truc de Alien. Ah, pas mal ça. Ça m'intéresse de savoir ton avis du coup. Et j'ai trouvé nul le film. Mais j'ai bien aimé. Je l'ai trouvé très bon. Tom a bien aimé Je trouvais ça gore et pas. Moi, ça m'a pas. C'était le lion. Et le Govenant, je l'ai pas vu. Mais Prometheus, j'ai vu ça. Je me dis ça, c'est Ridley Scott et tout. Je fais OK, go, on va regarder et tout. Et je savais pas du tout que c'était un truc d'alien, tu vois. Et là, je vois. Et je fais, mais what the fuck. Et en fait, j'étais là, mais à la fin, j'étais, mais putain, mais pourquoi on fait tout. Et après, surtout que ce qui m'énerve avec Prometheus, c'est que c'est un film qui pose plein de questions et qui n'y répond pas. Mais c'est un film bande-annonce. Oui, c'est ça. Et en fait, Covenant répond à ces questions. Je l'ai pas vu par contre. Mais en fait, Covenant, c'est une espèce de remake du premier Alien en version moderne et avec répondant vite fait à Prometheus. Mais genre, tout ce que tu te posais dans Prometheus, c'est ce que tu pensais que ça allait être, c'est genre évacué. En une scène, et là tu fais non, par contre, je l'ai pas vu. Et puis après, j'avais vu des trucs, j'avais vu quelques annonces qui étaient vraies, c'est-à-dire qu'il y a plein en plus de références ratées aux aliens. Le problème, c'est que si t'avais pas vu, c'est insanément nul, en fait. Si t'avais pas vu les aliens, justement, ce genre de questions dont Thomas parle, où tu te dis, mais j'ai pas la réponse, etc., tu les as pas forcément, parce que t'es obligé de mettre en lien avec les aliens. Mais moi, c'est juste après, en termes de film, j'ai pas passé un bon moment en regardant Prometheus. Puis même Prometheus et Covenant, genre, l'origine des aliens, en vrai, on s'en fout. Tu vois, enfin, ce qui compte dans les aliens, c'est l'histoire de Ripley et comment elle réagit face à la menace. D'où ils viennent, qui les a créés, on s'en branle. C'est le prédateur parfait, voilà. Donc bon, on en était donc sur la Final Cut de 2007. J'ai autre chose à vous conseiller. Si vous voulez prolonger votre expérience dans l'univers de ce film en plus du livre, le jeu vidéo de 1997. Oh my god. Sur quoi? Développé par Westwood sur PC. LOL. Donc les développeurs de Command & Conquer et tout. C'est un point and click. Donc vous dirigez. Donc c'est un film. Enfin, le jeu se passe en parallèle du film. Vous incarnez un autre Blade Runner qui s'appelle McCoy. Mystère sur le fait que si c'est un réplicant ou pas. Et comme dans le livre, comme dans le film, tu ne sais pas si ton personnage est un réplicant ou un humain. Il y a un truc intéressant pour un point and click. En gros, les Telltale,
sont hérités de ce jeu. Ouais, en fait. J'allais dire ça. Ah, ça genre, c'est, un tel. Ah, c'est complètement ça. C'est juste que bon, là, graphiquement, ça a eu du mal à vieillir, quoi. En vrai, je trouve ça ok. Ah, c'est ok. Pour que je m'attende à la 7. Ouais, mais parce que là, vous voyez les séquences un peu. Même en rendu, je m'attendais à 20. Genre, c'est les. Ce qui est cool, c'est que c'est les bruitages du film, la musique du film. Ah oui, d'accord. Tu croises des personnages du coup du film. L'histoire est sensiblement la même. En gros, voilà, des Nexus 6, donc c'est des androïdes, enfin des réplicants se sont évadés. Tu dois les traquer. Il y a un truc qui est cool dans le jeu, c'est qu'en gros, qui est un réplicant, qui est un humain, est choisi aléatoirement par le jeu au début de chaque partie. Oh. What the fuck, voilà. Donc en fait, tu ne peux jamais faire la deuxième, la même partie. Et toi, tu peux être un réplicant ou un humain, mais tu ne le sais pas. C'est-à-dire que c'est à toi dans le jeu d'utiliser tes outils, donc comme dans le film, le test de Voight-Kampff, pour déterminer si oui ou non qui est un réplicant. Et il y a, le jeu possède 15 fins différentes. Alors en vrai, il y a 7 fins. Et en fait, il y a 7 fins plus une 8e. Et les 7 fins ont une sous-fin. Une petite variante si t'es un humain ou si t'es un réplicant. En gros, franchement, je trouve ça me donne trop envie de le tester. Il est trop bien. Moi, j'ai vraiment envie d'aller voir Blade Runner là ce soir après l'émission. Premièrement. Non, mais déjà, et là, c'est vraiment trop cool, quoi. Ok. Pour l'époque, c'est archi stylé. Et ouais, comme dit Alex Sobal dans le chat, pour un truc qui tourne sur Windows 98, c'est solide. Ouais, c'est solide. Moi, ce jeu, j'ai dû le faire, j'ai dû le faire 10 fois. Ah oui. Et en vrai, tu le finis vite. Oui, genre c'est un jeu, la première fois tu vas galérer un petit peu et les fois d'après tu vas mettre peut-être entre 3 et 5 heures à le faire. Ouais. Mais c'est insane le nombre de possibilités qu'il y a pour un jeu de 97 comme ça, qui est autant de fins, voilà. Moi je vous conseille beaucoup. Et sinon, il y a 3 courts-métrages qui ont été réalisés. C'était le seul jeu Blade Runner qui est sorti. Alors il y en a un autre, mais qui est sorti sur Commodore. Ça, on va pas en parler. Okay, parce que voilà. Commodore. Et ce qui est cool avec le jeu. Tiens, j'ai oublié de balancer l'info. Pour le jeu Blade Runner, il est gratuit parce qu'il est dispo sur le site Abandonware. Les droits d'exploitation ont été abandonnés. Okay. Donc ça sert à rien de chercher à l'acheter. Vous allez vous allez sur le site Abandonware. Ware, et vous le trouvez, et c'est pas illégal, et vous pouvez y jouer en version française. Insane. Aucun problème. En version française et tout, en entier également, allez-y. Voilà, si ça vous tente, Blade Runner, si vous aimez bien l'univers. Avec une petite box DOS ou un émulateur, ou ce que vous voulez pour le faire tourner. Il y a tout ce qu'il faut de toute façon sur le site pour retrouver. Vous jouerez en 4 tiers, en fenêtré tout petit, mais vous pourrez kiffer un petit peu que ça. Voilà, en plus, la régie est super active. Abandonware France. Et le jeu est dessus gratos. Aucun problème. Très bien. Voilà. Et pour la promo du film 2049 qui nous intéresse, qui sort aujourd'hui, il y a 3 courts-métrages qui ont été réalisés pour faire la jonction entre les deux films. Okay. Chacun se passant une époque différente. C'est très court-métrage. Donc là, le premier, Los Angeles 2022, qui a été réalisé par Shinichiro Watanabe. Shinichiro Watanabe, qui est le réalisateur et le créateur de Cowboy Bebop, de plein de trucs. Okay. Voilà. Et donc là, celui-là, c'est en anime. Et il te réplique, en fait, voilà, dans 2049, dans le synopsis, on te dit qu'en 2022, il y a eu un blackout, comme je vous ai dit d'accord, tout à l'heure. Okay. Voilà, ce court-métrage-là va t'expliquer le blackout. Voilà. Très bien, super. Et en gros, on t'explique aussi qu'après les événements du film de 2019, les humains ont commencé un peu à se rebeller contre les réplicants et on a commencé à les interdire. Dans le film, c'était les Nexus 6, là, 3 ans après, on est au Nexus 8. Et en gros, t'apprends que, au fur et à mesure, on ne veut plus de réplicants, en fait. D'accord. Voilà. Oh là là. Et l'anime est cool, hein. Genre c'est niveau. C'est dispo sur YouTube. C'est dispo sur YouTube gratuitement. Ça a été validé entre guillemets par la prod. Ouais. Ouais, c'est même à chaque début de court métrage, t'as le réalisateur qui te fait un petit speech en disant ouais, donc voilà, là j'ai demandé à mon pote Shinichiro Watanabe de me faire un petit anime. Ah d'accord. Ok. C'est complètement validé par la prod. En gros, c'est lui qui a demandé, c'était son initiative. Fan movie ou. Parce qu'en gros, oui, c'est pas un truc. Lui, il voulait pas. En gros, il explique que dans son film, il voulait pas perdre son temps dans l'exposition et te raconter ce qui s'est passé pendant 30 ans, vu que c'est une nouvelle histoire avec un nouveau personnage qui fait que vous pouvez aller voir le film sans avoir le premier. C'est dommage parce que je pense qu'il y a pas mal de trucs du premier qui vont se retrouver dans le deuxième. Mais en gros, voilà, pour éviter d'avoir à le raconter dans le film, il a fait les courts-métrages comme ça. Lui, dans le film, c'est juste, ils en parlent vite fait dans les dialogues et ils n'ont pas besoin de t'expliquer. Ah ouais, tu vois. C'est insane, voilà. C'est trop bien. Donc, t'en as 3. Le premier, c'est celui-là qui se passe en 2022 et les deux autres qui sont réalisés par Luke Scott, donc fils de Ridley Scott. Un qui se passe en 36 qui met en scène Jared Leto, donc personnage qui est dans le film. C'est un court-métrage avec Jared Leto dedans. Exactement, ouais. Jared Leto, où en gros, là, en 2036, les réplicants sont interdits et lui, il arrive avec un réplicant, alors que c'est complètement illégal. Il lui dit c'est bon, c'est le Nexus 9, la nouvelle série, et ceux-là, ils obéissent au doigt et à l'œil, je te promets. Et là, il y a un twist, tu te chies dessus, quoi. C'est trop bien. Il met un petit peu de temps à arriver, Jared Leto. C'est des courts-métrages de combien de temps ? 6 minutes.
6 minutes 5-6 minutes wow. à chaque ah bah, fois. Franchement, c'est... Mais réalisé qualité film. Hein. Ouais, genre, bien sûr. Là, oui, oui. Voilà, donc là, c'est voilà, Jared Leto qui va se faire interviewer. Donc là, 2036, du et coup, ça se, passe, là. Ça se passe 13 ans avant le film. Ouais, le réplicant est juste à côté. Voilà. Donc il est aveugle, on ne sait pas pourquoi. Et en gros, c'est un interrogatoire avec la police. Genre, pourquoi t'as un réplicant et voilà. Ok. Wow, et c'est le, trop bien. Et le dernier, c'est génial. Qui s'appelle Blade Runner 2048, qui se passe un an avant et qui nous introduit le personnage de Mother, interprété par Dave Bautista, que vous avez vu dans Les Gardiens de la Galaxie. Ah oui, il est dedans. Qui est dans la bande-annonce de Blade Runner 2049 Bautista. Et qui est un réplicant en fuite. C'est-à-dire qu'il est traqué parce que bah, les réplicants sont interdits, du coup. Et il est obligé de se cacher parce qu'en fait, les réplicants, c'est des modèles. Donc par exemple, lui, c'était le modèle Mother. Mais il en existe peut-être 100, ouais. tu vois, deux mecs qui ont la même gueule que lui en ouais, finale, tu vois. Okay, donc ouais, en ouais. fait, tout le monde sait que c'est très facile de se rendre compte que c'est un réplicant. Donc il est obligé de se cacher et de fuir. Et donc là, dans ce court-métrage-là, il est en fuite depuis plusieurs années et il va se passer un événement où il va se faire cramer. Et là, c'est celui qui nous mène le plus directement au film, parce qu'on l'a vu dans la bande-annonce, il se fait interroger par Ryan Gosling, par le personnage de Ryan Gosling. Okay, donc okay. voilà, là, le film, c'est vraiment ça, celui-là, c'est l'intro du film. C'est okay. la scène juste avant le générique. C'est le prélude. Voilà, le c'est ça. Ouais, c'est insane. Ok. C'est ouf de préparer un film comme c'est ça. C'est trop bien ouais. d'étendre comme ça son univers Incroyable. Juste avant un film. C'est, oui. c'est vraiment trop bien. Je trouve que c'est super. Bah, pour, toi, ouais. pour toi, c'est vital de les regarder avant d'aller regarder le deuxième. C'est pas vital, mais c'est mieux. Ah ouais, ouais. je pense que tu kiffes ouais. d'autant je plus pense en que fait. C'est mieux. Ouais, éléments, j'avais peur. Moi, j'avais peur de les mater parce que j'avais peur de me faire spoiler des éléments de l'intrigue. Et en fait, quand j'ai regardé l'intro du premier avec le réalisateur qui parle, qui t'assure. Qui va pas te spoiler et que c'est vraiment juste pour des points de détail de l'exposition. L'exposition dans un film, c'est quand on vous raconte un peu les faits. Il voulait pas perdre du temps là-dedans, donc il a demandé à ce qu'on fasse ces courts-métrages-là, comme ça il a pas de temps à perdre. Donc le film rentre directement dans le vif du sujet, ouais. c'est ça que tu veux dire ? T'es en 2049, Ryan Gosling, alors on sait pas trop comment, mais je pense qu'il va se lancer à la recherche de Rick Deckard, donc Harrison Ford, du premier film. Bon, franchement, le synopsis, je sais même pas trop, j'ai même pas trop capté ce qu'il racontait. C'est juste, c'est en 2049. Ouais. Ryan Gosling, c'est aussi un Blade Runner, ouais. donc il traque des réplicants et il les bute, un peu comme, comme moi quand j'ai vu le synopsis, je me suis dit putain, ça va être comme Star Wars 7, ça va être un remake déguisé quoi. Enfin, c'est une suite, mais en fait c'est un remake. Et apparemment, vu les critiques, ça ne l'est pas. Tu vois, c'est une vraie suite. Donc okay, j'ai hâte. Apparemment, on s'est fait tous brain par la promo, donc tant mieux, tu vois. Moi, les bandes annonces actuelles me font chier parce qu'on en voit trop. Est-ce que t'as vu les premiers retours ou pas? Ouais, j'ai lu les premières critiques. J'en ai lu une seule négative. Une seule négative. Ouais, mais les retours sont bons. Sinon, les sont pires que bons. Dithyrambiques. Ouais, ils sont dithyrambiques. Ok. La plupart des critiques disent que c'est certainement l'un des plus grands films de science-fiction de. Ah ouais. D'accord. Même pas de l'année quoi. Genre depuis 10-20 ans. Depuis 10-20 ans. Ouais. Devant Star Wars. Depuis 7 Matrix en fait. Ils disent que c'est certainement le meilleur film de science-fiction depuis Matrix. Devant Star Wars 7. Bah Star Wars c'est du space opéra. Oui je sais mais après je rigole. Mais ouais, après Star Wars 7 c'est mon plaisir coupable genre. Ah, je vois tous les défauts mais il est tellement bien emballé que tu sais je le mets je suis là en mode je me laisse aller quoi je fais. Ah. C'est pas, mais c'est pas bien là Thomas. Non, c'est pas grave. Non, laisse-moi rêver. Ferme ta gueule, putain, il est bien là, regarde. Non, on est bien, regarde, on est bien. Quand est-ce qu'elle sort son sabre laser là? Allez, vas-y quoi. Qui veut full fight? Mais basiquement, l'épisode 7, c'est une vague bande-annonce de l'épisode 8 quoi. En vrai, quand tu vois ce qui est développé dans le scénar, tu te dis on aurait pu me le raconter en 5 minutes, zapper tout et commencer direct à l'épisode 8. Quoi. Genre, c'est ça qui est bien avec ces courts-métrages, c'est que ça évite ce genre de situation. Exactement. Ouais, du coup, tu peux commencer directement dans le vif, dans le vif du sujet. Quoi. Carrément, c'est vrai. Bon, voilà. En tout cas, merci beaucoup en tout cas, Thomas, pour cette Mais du coup, ça met la barre haute pour aller au cinéma. Hein. Allez-y, là, maintenant, je suis vraiment hypé. Enfin, j'espère que je vais en prendre plein la gueule, parce que sinon, les 15 euros, je vais les regretter. C'est clair, les 15 balles juste à côté, là. Vas-y, une question. La question de Tom. Pourquoi les androïdes? Ils ont des noms de téléphones. Ah non, c'est Google. Les téléphones. Alors, ils demandent pourquoi est-ce que les réplicants ont des noms de téléphone Google? Parce que non, mais c'est Google qui s'est mangé un procès d'ailleurs là-dessus et qui l'a gagné. Oui, C'est des androïdes dans le film. Ils s'appellent les Nexus 6. Du coup, quand Google ils ont voulu faire des téléphones, vu que leur système c'était Android. Pour la blague, ils ont dit on va appeler ça Nexus. Ouais. Voilà. Du coup, ils se sont mangés un procès et ils ont gagné. Fort. Ok, voilà. Fort. Très bien. Ils ont gagné. Mais ouais, j'ai trouvé ça assez drôle de la part de Google. Quoi. Blade Runner a influencé le cinéma de science-fiction depuis qu'il est sorti. Genre, tu regardes, de toute façon, toutes les villes futuristes, déprimantes et dark, c'est des clones de Blade Runner. Ah, ouais. Tu prends la ville de Ghost in the Shell avec Scarlett Johansson. C'est un Blade Runner, mais juste modernisé. Et quand tu vois les images du nouveau Blade Runner, c'est même encore mieux. Même le cinquième élément.
Le cinquième élément, Dark City, Matrix, tout ça c'est inspiré, ça ne serait pas arrivé sans Blade Runner en fait. On n'aurait pas eu de la SF sérieuse sans Blade Runner. On n'aurait eu que des trucs un peu mignons d'aventure pour les destinés aux gosses. Là, voilà, on n'a pas pris les gens pour des cons et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et j'espère que celui-là suit la même voie. Tu nous feras ton retour. Et que ça ne sera pas juste un beau spectacle visuel, il y aura quelque chose derrière. Mercredi prochain, tu nous diras dans l'émission, parce qu'on aimerait bien t'avoir quand même souvent le mercredi pour que tu puisses à chaque fois nous parler de cinéma, etc. Tu nous feras ton retour mercredi prochain, on espère, sur Blade Runner. Je l'aurais déjà vu cette fois. On essaiera d'aller le voir aussi pour qu'on puisse en discuter. Discuter. Voilà, messieurs, dames. Alors, je voulais discuter d'un truc parce qu'on a une très grosse deuxième partie aussi qui nous attend, je le sais. Allez. Est-ce qu'on est obligé de faire une pause, Tom, ou pas? On n'est pas obligé de faire une pause, ça vous dit. On peut y aller, on peut mettre de la pub ? Ouais, j'en ai là, c'est bon, on enchaîne. On enchaîne quoi, ok, donc on fait pas de coupure, juste pour YouTube, on fera une coupure maintenant, YouTube, voilà, on se retourne dans la deuxième partie de la vidéo, mais nous, sur Twitch, on reste en